Info travaux. Attention ce week-end. Nous trouvons en gare de Savigny-le-Temple sur la ligne D du RER. Donc c'est un chantier de SDA, schéma directeur d'accessibilité. Donc ce sont des chantiers de mise aux normes PMR en Île-de-France, conformes au nouveau matériel roulant. Le chantier se déroule en fait en 3-8 pendant 48 heures, du vendredi minuit au lundi 4h20. Nous avons pu faire rentrer nos engins sur le quai. Et nous avons pu commencer la dépose des enrobés de quai, qui est la première étape véritablement des travaux, en vue du terrassement qui se réalise en rive de quai pour pouvoir réaliser le sillage de la bordure existante. Pour réaliser les opérations de sillage de bordure de quai, on utilise deux loris de sillage. Ce sont deux grosses scies thermiques montées donc sur un lorry avec un bras de règle donc qui est réglé à la hauteur qui correspond au trait de scie à réaliser sur le linéaire du quai. Après cette phase de sciage, nous venons préparer toute l'assise béton pour la pose des caissons. Donc cette préparation d'assise passe par un compactage et par la mise en place d'un treillis soudé ST10 sur cale. Vu que nous sommes en site fermé, la livraison du béton se fait par l'extérieur. Donc nous avons dû réaliser une traversée sous voie, donc le passage d'un gros tuyau PVC sous les traverses et sous les rails, pour pouvoir passer les tuyaux de pompe à béton. Ensuite, donc nous avons monté sur la pelle rail-route une benne à béton de 1000 litres. La pelle rail-route achemine sur toute la longueur du quai le béton, le met en œuvre. Nos équipes sur place le règlent au râteau et à la règle de maçon. Le bétonnage réalisé, les pelles rail-route commencent à distribuer sur toute la longueur du quai les paquets de caissons. Donc après la pose des caissons, une seconde équipe arrive pour enchaîner sur la pose des dalles d'éveil sur toute la longueur du quai. La mutualisation des moyens et la mise à disposition par la SNCF d'un train travaux de 25 wagons nous a permis de réaliser sur ce week-end 350 mètres de rehaussement de quai ainsi que la pose par notre partenaire GCC d'un tablier de quai provisoire. Nous avons réalisé un sillage de la bordure à 38 cm du plan de roulement. Ensuite, nous avons posé une succession de pièces constitué de caissons Socramat fabrication hauteur 40 ainsi que de la dalle d'éveil 2020S de chez Bona Sabla. Initialement, il était prévu une pose de caissons à hauteur 34. Nous avons opté pour du 40 cm afin de s'affranchir d'un coffrage et de se limiter à un simple glacis en mortier de ciment. L'organisation du chantier a constitué en la pose de 350 mètres de clôture limitant la clientèle par rapport au quai en situation de travail. La chaîne d'annonce en a donc été réduite et le chantier est réalisé tout le week-end sans annonce des circulations contiguës de façon à réduire la nuisance sonore pour la clientèle et notamment la nuisance sonore pour les riverains.